question. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Tu ne prêches pas pour être béni. Tu ne donnes pas les offrandes pour être béni. Tu ne payes pas tes dîmes pour être béni. Tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu bénis Dieu. Amen. Si vous dites bénissez Dieu, bénissez Dieu, les pasteurs vous disent bénissez Dieu, c'est parce que le pasteur au moins sait que vous êtes béni. Voilà pourquoi il vous exhorte de lui rendre. Amen. Gloire à Dieu. De lui rendre. Amen. La révélation. De lui rendre. S'il vous dit bénissez Dieu, vous allez bénir Dieu. Comment si vous-même, vous n'êtes pas béni. Alors, vous êtes béni. Que vous priez, vous ne priez pas, vous êtes béni. C'est pour cela que je dis ici en France, vous les pasteurs, vous travaillez chez des gens qui sont des homosexuels, qui sont des maçons, des rosicruciens, et qui ont des sociétés, des grandes sociétés. Vous les pasteurs, vous allez travailler chez eux. Alors, dites-moi, qui n'est pas béni? Quel est l'homme qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Amen. Tout homme. Amen. À partir du moment que tu portes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, tu es béni. Et si tu veux croire que tu es maudit, tant pis pour toi. Amen. C'est parce que tu as cru que tu es maudit, que tu es maudit. Et tu es maudit. Gloire à Dieu. Le jour où tu croiras que tu es béni, tu n'as pas besoin de l'huile d'onction, tu n'as pas besoin d'imposition de main, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse par terre. Crois que tu es béni. Et la bénédiction qui est dans ta vie se mettra en référence, en existence, en ta faveur. Gloire à Dieu. En ta faveur. Et tout ce que tu feras, crois, te réussit, parce que tu es béni. Amen. Tu as la nature de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Si Dieu est saint, crois que tu es saint. Amen. Amen. Si Dieu est pur, crois que tu es pur. Même si tu es tombé, tu n'es pas terrassé. Crois. Amen. Voilà. Et puis, j'ai commencé à annoncer l'évangile sans voir la Bible. J'ai pas besoin.